Pierre, le gardien de but Gravel, là, qui utilise la baie vitrée pour remettre en territoire central. Ça va permettre à Edmund de s'échapper. Le capitaine de la manasse s'amène. La fin de tir. L'arrêt des petits. Bel arrêt du gardien de but. Désolé. Métallique ensuite. Edmund va tenter. Non, en fait, c'est Corbeil. Corbeil s'amène à tir. Bel arrêt des petits. Et là, il compte! Le disque a glissé derrière le gardien but des Patis, l'Armada, qui prend les devants 1-0 en première période ici au Palais des Sports. Belle remise, si je ne me trompe pas. Là, pendant ce temps-là, un tir qui revient. Edmund, belle arrête des Patis, là, je crois là, qu'il a frustré Edmund. Des groseilliers, ça l'a frappé dans le dos. Donc, ça a passé proche, il s'est penché. La belle arrêt de Gravel sur le tir de Béliveau, justement, le carré. À faire en deuxième. Tristan Allard passe dans la clap, bien fait par Véro. Belle arrêt de Gravel là-dessus. Belle arrêt de la Jambière. Cercle opposé. Ensuite, à Tourigny au centre de la zone. Edmunds tire à pied. Compte! Capitaine Logan Edmund qui marque. Et c'est 2-0, l'Armada. Oh, la reprise. Boutin tente la sortie. Olivier, celui-là. Il y a les deux boutins sur la patinoire. Ça revient à Tourigny au cercle. C'est compte! Miguel Tourigny qui marque. Et l'Armada qui est devant 3-0 en troisième. C'est tout de même Gatineau qui prend le contrôle. En fait, non. C'est Edmund. Est-ce qu'il va s'échapper? La réponse est oui. Edmund s'amène seul. Edmund va compter. Compte! Mathias Laferrière qui marque. Et c'est 4-0 Blainville-Boisbriand. Edmund qui avait réussi à s'échapper. Antonin Véro. Oh, belle manœuvre devant Jonca. Véro s'amène. Tente dans l'enclave. Tiens, compte. Andrew Cox cède. Inscrit un premier but pour les Olympiques. Et c'est 4-1. Ah, c'est décevant pour le jeune gardien de but, Charles-Édouard. Corbeil remet plus bas. Pinard tente un tir. Compte! Simon Pinard dans un filet désert. Il marque. Et c'est 5-1. Un but marqué en désavantage. Bel arrêt de Gravel sur la dernière séquence pendant qu'il y avait l'annonce du but. Ah, beau but des Olympiques. Là. Métis Rollins qui fait dévier la belle remise de Pierre-Olivier Roy. C'est 5-2. Pendant tout ça, là, belle remise de...